Tuit, on va essayer de faire que les entraînants. Non, 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 non. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jeu Night of the Consumers. Donc ce jeu il est juste incroyable, je pense que ça va être le jeu de l'année. Donc on joue le rôle d'un employé dans un magasin et on va devoir répondre aux attentes des clients. Et vous allez voir, les clients sont juste complètement fous, ils vont nous harceler. Donc c'est un jeu horreur et c'est à la fois assez drôle. Et j'aime beaucoup le style graphique, ça fait vraiment son charme, on a l'impression que c'est un jeu de play 1. Donc on va voir ça ensemble. Donc c'est fait par un développeur indépendant. Le jeu est en anglais, je vais avoir du mal à vous traduire. J'ai pas un anglais parfait, je vais essayer de comprendre le jeu. Mais vous inquiétez pas, je vous traduirai ça par-dessus les textes, je vous mettrai le texte en français. Au moins vous pourrez comprendre facilement vous aussi. Donc là on va parler au manager. Regardez sa gueule. Tu es en retard. Mais tu es nouveau ici, je vais tailler dans le vif. Mon nom est le manager. Ah ouais, le mec c'est son nom, le manager il s'appelle. C'est ton prénom ou c'est ton nom? On n'est pas trop occupé aujourd'hui, donc tu vas pouvoir t'installer facilement dans le magasin. Et prendre tes marques, en gros. Mais rappelle-toi que j'ai une réputation à tenir ici. Tu ne veux pas me faire passer pour un fou devant les autres managers, n'est-ce pas? Ce magasin est le meilleur de la ville et je veux que ça le reste. Si n'importe quel de mes clients n'est pas satisfait de tes services, je vais en entendre parler. Maintenant, trouve Jimmy. Il travaille ici depuis un moment, il est vraiment loyal comme employé. Il va te montrer les ficelles du métier, donc pose tes affaires dans le vestiaire et vas-y. Ok, donc il plaisante pas du tout le manager, hein. Je pense que ça va être très très chaud. Donc, comment ça marche? Les mécaniques du jeu. Alors j'appuie sur espace. Clic gauche. Alors attendez. Voilà, je le sélectionne, je pose. Oh! C'est quoi cette fermeture éclair? Elle fait flipper, mec. Donc rien que la musique, elle est stressante. Hein. Déjà, ça annonce du lourd. What? Oh! Non, ça commence déjà. Il y a marqué hygiène excellent, il est en train de vomir devant. Ok, donc je pense que c'est Jimmy, les mecs. Je peux pas en supporter plus que ça. Et je suis pas assez payé pour ça. Ces clients fous. Ces maladies sans fin. Les tâches de merde. Oh putain. J'ai atteint mes limites. Écoute, c'est à ton tour maintenant. Oh putain, j'ai pas envie de commencer. Il y a plein de rayons vides là-bas. Les rayons ont besoin d'être remplis avant qu'on ferme, sinon le manager va être très en colère. Prends ça, c'est toutes les notes que j'ai fait pendant que j'ai travaillé ici. C'est des petits conseils qui m'ont sauvé la vie, encore et encore. Appuie sur échappe pour voir les notes à n'importe quel moment. Bonne chance. Cet endroit est un enfer, moi je me casse. Oh, comme j'ai pas envie de commencer le travail, les mecs. Donc regardez, Missing Lester. Donc c'était un employé, Lester, il a disparu. Donc Lester, c'était le meilleur employé du mois. Mais malheureusement, il a disparu. Donc on va rentrer dans le magasin, on va faire ce qu'il nous demande. Donc vraiment là on est dans la peau d'un vendeur pendant l'apocalypse limite. Là c'est vraiment ce qu'ils vivent en ce moment les magasins, hein. Vous vous rendez compte, ça doit être le gros bordel. Donc force à eux, force aux gens qui travaillent dans un magasin, si vous regardez ma vidéo, franchement force à vous. Video game. Donc comment ça marche? Donc j'ai juste à marcher dessus, ça prend la caisse. Et je vais devoir trouver le rayon correspondant. Donc magazine, toys. Ok. Donc d'abord on va mettre les caisses, on va bien s'organiser. Tant que j'ai pas posé les choses dans les rayons, le jeu ne commencera pas. Donc je vais tout ranger. Et l'intérêt en fait c'est que les clients vont venir me parler. Et je vais devoir leur indiquer le rayon dont ils ont besoin. Il y en a qui vont me demander des produits de beauté, je vais devoir les ramener vers le produit de beauté, etc. Et si je le fais pas dans le temps imparti, parce qu'il y a un timer, c'est ça le but du jeu, ils vont appeler le manager et le manager va être vraiment très en colère. Et bon, je vous en dis pas plus. Donc je peux courir avec Shift. Voilà, on va poser donc les caisses correspondantes dans les rayons qu'il faut. Y, donc do it yourself. Donc là on va essayer d'utiliser notre mémoire visuelle, se rappeler où on range les affaires, parce que c'est très compliqué. Là encore, là on est libre, mais dès qu'il y aura du monde qui vont demander où c'est qu'il se trouve ce rayon, etc, ça va être le bordel, je sens que je vais embrouiller. Et surtout je vais essayer de traduire, ça va pas être facile, le jeu est en anglais, mais franchement ça m'a pas empêché de le prendre. Vraiment, le concept est juste incroyable, il m'a tellement donné envie d'y jouer, et je sais que ça va être des grosses barres, et je pense que vous aussi vous allez kiffer. Donc je vais vous montrer les clients. Regardez, ils attendent devant.
On dirait des vrais zombies. Ça, c'est vraiment la période en ce moment. Les gens, ils se battent pour du papier WC. J'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est devenu n'importe quoi. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Vous inquiétez pas, je vais essayer de vous traduire à chaque fois qu'un client posera une question, il aurait une demande spécifique. Moi, je vous le mettrai. Je vous mettrai sous forme de petit texte par-dessus le texte original qui est en anglais. C'est bon. Je pense qu'on est bon. Je vais checker un peu autour. Ah, ok. C'est un peu usant safe ici, en fait. Je peux revenir ici. Là, je peux pas rentrer. Là non plus. Ici, on peut revenir dans les lockers. Dans les vestiaires, plutôt. Ok. Donc, on va regarder un petit peu. Il y a une porte. Oh, on peut rentrer. Nice. Je pense que c'est une zone safe, ça aussi. Donc, on va checker un peu. Ok, là aussi. On peut checker les zones safe. Ok, là on a une zone safe avec du PQ d'ailleurs. Donc on va commencer par le meilleur. Les jeux vidéo, les mecs. C'est parti. Allez, vite. On se dépêche. Y'a personne. Personne. Allez, vite, on pose. On pose. Voilà. Nickel, j'ai fait un rayon. On va faire le deuxième, y'a pas de clients. Oh, y'a les clients, ils sont là. Vite, vite, on se dépêche. Hein. Allez, vite, on pose. Donc ça, c'est la peinture. Nickel, là on est bien. Ok, y'a toujours pas de clients. Ils sont pas venus sur moi. Ok, on pose des crânes dans le rayon d'Halloween. Y'a personne. Oh putain, c'est le poster, il m'a fait flipper. On en profite. Là on est bon, pour l'instant je suis tranquille. Voilà. Nickel, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Wow. Ok, j'ai besoin de Prosecco. Getting all the girls around tonight, we're gonna kick. C'est quoi Prosecco? C'est quoi du Prosecco, les mecs? Non, ça commence mal. Oh fuck. C'est quoi du Prosecco? C'est Biochi? Non. 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 Ok. Ok, faut plus se faire choper par le manager. Non, je me suis fait choper par le manager, bordel. C'est quoi du Prosecco? Ça me dit quelque chose. Putain, première question, je me fais avoir. Vous avez vu, ça fait carrément flipper, c'est stressant l'ambiance. Pet food. Je vais faire comme tout à l'heure. On va tout poser dans les rayons correspondants, au moins je suis tranquille. Donc pet, c'est les animaux. Ah, c'était video game. Video game, c'était par là, si j'ai pas de bêtises. Non, pas vers ici. Je vais poser là, on verra après. Ici, c'est quoi? Food, 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 c'est ici et food. Voilà. Ça, c'est pet food, on va le remettre là, bien. Voilà. Video game, video game. Là, y a pas des caisses par ici. Video game, je me rappelle, c'est ici. C'est le seul qui m'intéresse. Ok, ça c'est quoi? Cleaning, cleaning. Est-ce que c'est ici? Non, ça c'est closing. Donc, cleaning c'est pour le nettoyage, closing c'est les vêtements. Non, non. Pas ici? C'est dur de se repérer vraiment. Et le fait que ce soit en anglais, ça n'aide pas. Closing c'est ici. Ok, ici, pharmacie. Pharmacie, pharmacie, on est passé devant tout à l'heure. On va regarder celui-là, c'est quoi? Do it yourself, ok, c'est là. Donc c'est tout ce qui est électrique, etc. On va trouver tous les outils, les... ce genre de choses. Pharmacie, pharmacie, c'est là, nickel. Ok, pets, on l'a fait. Il manque des caisses, non? Il en manquait pas mal de caisses. Ici, il y en a une. Toys, 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 c'est ici, les jouets. Il y a déjà une caisse, qu'est-ce que c'est? Video games. Ah, je m'étais trompé, c'est ici Video Games. Voilà. Halloween, Halloween c'est vers là. Donc ici en gros c'est tout ce qui est loisir, j'ai l'impression. Donc Halloween, les vêtements, la cuisine, les fournitures, enfin je sais pas ce que c'est en français, les magazines, les jouets, les jeux et le do it yourself. Donc ça, on va essayer de se rappeler où c'est très important. Est-ce que je l'ai déjà fait sur la pharmacie? Ouais, il me semble que. Pharmacie.
va regarder s'il n'y a pas encore une caisse et ensuite on commence. Je suis obligé de ranger, ce sera plus simple pour moi, sinon c'est le gros bordel de se repérer à chaque fois. Ok, on va commencer par Halloween cette fois. C'est parti. Donc là, dès que je commence, vous avez vu, il y a le timer, ça veut dire que les clients rentrent dans le magasin. Allez. Allez, 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 vite, vite, vite. Ok. Là, on est tranquille pour l'instant. Oh, il y a la vieille, il y a la vieille. Ah! Would like to selection a furniture, please. Ok, fourniture, fourniture. C'est ici. Ok, je suis tranquille. Laisse-moi tranquille. Ah! Ok. Maman a trouvé browsing data, sent me here, too busy, antibacterial, wipe. Ok, c'est nettoyage, c'est où? C'est pas ici, c'est là-bas. Ou du cleaning, clean, cleaning, cleaning. Ok, nickel. J'ai peur, j'ai peur. Vite, laissez-moi tranquille. Faut que je remplisse les rayons. Ah! Ok, on peut leur jeter les caisses dessus. Vite. Ah, non, non, non. Yes. Personne à gauche. Ok, vite. Allez, la peinture, la peinture. Vite, vite. Y'a personne. Vite. On finit ce rayon, s'il vous plaît. Avant qu'on se fasse attaquer. Ok, nickel. Oh, con. Non. J'ai vu quelqu'un. Ok, closing, vite. Je veux que je les mets, les habits. Dégage, toi, casse-toi. Vite, les mecs. Kitchen. Kitchen, vite. Personne. Oh putain, la vieille. Mais tu vas pas me choper, toi, je te le dis de suite. Allez, vite. Allez, vite. Non ! C'est relevé. Microwave, Brock. Ok, micro-ondes. Ah non, on était déjà dans la cuisine. Magnifique. Allez, vite. Casse-toi, la vieille. Laisse-moi ranger. What ? Ok, do you have any magazine ? Magazine, c'est pas loin. C'est pas loin, le magazine. C'est ici. Oui, c'est ici. Ok, laisse-moi tranquille maintenant. On va faire le tour, on va faire le tour. On va la choper. Kitchen, ok, on va finir de ranger. Donc nos couteaux. Ce jeu est juste incroyable. Ah. Got any beer, ok, alcool, alcool, c'est où? Non, pas ici. L'alcool, l'alcool, l'alcool. Drinks, 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 alcool. Ok, laisse-moi tranquille maintenant, mec. Vite, 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 vite. La food. Ok, vite. On va poser le drink. Y'a personne. Ah! Aïe, aïe! Non, non, non. Ok, Brock, stay away from the sugar, but today, feeling too nutty. Ok, ils veulent du sucre, c'est les bonbons. C'est bon, nice. Ok, je me cache. On va prendre un peu de repos. Vous avez vu, l'ambiance elle est vraiment stressante, c'est ce qu'ils vivent les mecs en ce moment dans les magasins. Ok, food. Tranquille. On va ranger la food. Allez. Personne à gauche, personne à droite, on est ok. Fini le rayon, on pose notre ketchup. Allez, je me dépêche, vite, vite. Tac, 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 nickel. Non. Ok, I need something to clean my skin. Ok, produit de beauté. Ici. Laisse-moi tranquille maintenant. Pets, animaux. On va ranger le rayon des animaux. Personne à gauche, personne à droite. On s'en sort bien là, pour l'instant ça fait plaisir. Donc de la soupe pour dogs. La soupe pour chiens. Nickel. Oh putain. Ça va être chaud les mecs. Là-bas il fait sa gym. 27 caisses, on va le tenter. On va le tenter, on va le tenter. Ok. Il m'a pas vu. Ok, pharmacie. Pharmacie, on y était, ici. Pharmacie, pharmacie. Personne à gauche, personne à droite. Vite, allez. On va mettre de la crème. Mr. Craven. J'entends des bruits. Nice. What? J'ai entendu un chuchotement derrière. Non! Vite. Drinks. Les boissons, les boissons, les boissons. Oh putain, toi tu. Non, je sentais pas là.
Je sentais pas du tout. Les boissons, vite. Okay. Là, on est tranquille, on va pouvoir mettre les choses. Oh putain. J'entends chuchoter derrière moi, ça me fait flipper. Vite. Allez, on y est presque. Nickel. On a fini ce rayon. Wow. La musique, elle a changé. La musique, elle a changé. Ok, tuit. On va essayer de faire les autres rayons. Non, 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 non. Oh non. C'est mort. Hey, loser, me cumulant punchline paying cash. With a new plushie. C'est quoi plushie? C'est quoi un plushie? What? Got anything sugar with? Ok, le sugar, c'est le sucre. Vite. Ça va trop vite là. Oh non. Vite. Casse-toi. Le sucre. Oh non. On est mort. Il est trop dur ce jeu, putain. Bon, je crois que je vais arrêter l'épisode là. J'en referai un prochain. Vraiment, ce jeu, il est ultra kiffant. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Donc j'espère que vous avez kiffé. Je vais vous mettre le lien du développeur. Franchement, n'hésitez pas à le soutenir. Le jeu, il fait seulement 1,93$. Nous, en France, on le payera 2$ avec les frais de port. Franchement, il vaut largement le coup. Vous payez même pas 3€ pour un jeu autant kiffant. Moi, je pense que je vais en faire plein de vidéos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Comme d'habitude, si vous kiffez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Ça m'aidera pour le référencement. Cochez la cloche, au moins vous ratez aucun épisode. Donc moi, je vous dis prenez soin de vous et rendez-vous pour la prochaine vidéo.